Bon, ici, j'aimerais que vous fassiez attention à ce joueur-là. Parce que il va sûrement vous rire au nez parce que, ok, à chaque fois que je me bats avec lui, ok, c'est toujours la même histoire, ok? Il arrête pas tout le temps de me faire son foutu repos pour me mettre KO. Ça a l'air qu'il me prend pour une marde. Depuis le jour où que j'ai combattu en un contre un, il continue à utiliser Rondoudou pour me faire chier, disons-le. Fait que là, ce que je vais décider d'entreprendre là, puisque j'aurai pas de chance de le vaincre, ok, je vais faire exprès de me faire frapper par Matt pour qu'il gagne des points pour gagner. Mais accidentellement, j'aurais provoqué une mort subite. Puis Matt l'a remporté. Parce que je voulais pas que Tree gagne parce qu'il ne méritait pas. Il jouait trop en paresseux. T'es en train de driller des joueurs carrément, là. C'est sérieux, là. J'aime pas cette attitude-là. Tu sais, il se pense bon. Il se pense bon avec son attaque repos. Je vous le dis, faites attention si jamais vous le croisez. Parce qu'il va vous faire ça. Ou sinon, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Exemple, si vous êtes Ganador, tout ce qu'il va faire, il va jouer dans les airs. Ok, vous esquivez dans les airs aussi, puis il va jouer comme là. À faire des attaques dans les airs seulement. Dans les airs ou c'est attaque repos qu'il va faire. Rien d'autre. Ah, rien d'autre. Moi, je vous dis, c'est pas agréable de jouer avec lui. Fait que si jamais je le revois en ligne, moi, je jouerai pas contre lui. Parce qu'il joue comme une vraie pourriture. C'est juste la manière qu'il m'a battu, tu sais, ça va encore me chier dessus. Bon, là, c'est à ce moment-là que je vais décider de me laisser frapper par lui. Mais je vais quand même marquer un point. Mais c'est ça, juste pour mettre l'autre KO. Moi, je savais pas, moi, les résultats exactement. Moi, je me suis juste assuré que ce soit lui en dernier qui me frappe, puis je me laisse tomber en bas. Bon, puis là, je viens de provoquer une mort subite. Je voulais absolument pas qu'il gagne. Absolument pas. C'est vrai que c'est un peu chiant pour lui, mais écoute, tu sais, je voulais pas qu'il gagne. Parce que c'est juste un mangeux. Ok, vous savez qu'est-ce que je veux dire. Écoute, avec lui, on n'a pas des combats sains d'esprit. C'est pas combatif, ça fait juste rire du monde en faisant son attaque repos avec Rondoudou. Puis après ça, il me dirait dans ma face quand il me bat, là, Seigneur, c'est pas correct. Puis rire des autres aussi. Mais dans le deuxième match que j'ai joué avec mon Yoshi, j'ai absolument rien à voir avec la victoire de Matt. J'ai juste que peut-être que j'étais dû lui donner des ailes en lui donnant une chance de gagner au premier match. Mais je suis pas responsable de sa deuxième victoire. Parce que moi c'était ta peau que je voulais. Et rien d'autre. Mais là, j'ai décidé, ok, que je ne jouerai plus contre ce joueur-là. Alors, si jamais il voit cette vidéo, j'aimerais juste lui dire que je ne jouerai plus contre lui. Parce qu'il me fait sentir. Il me fait sentir que je suis un pourri quand que je joue. Puis moi, je sais que je suis bon dans les jeux vidéo. Je le sais, ça. Il me fait sentir ça. J'aime pas cette attitude-là. J'aime pas ça. C'est pas agréable de jouer contre lui.
Puis il fait ça à tous les joueurs. Il fait ça à tous les joueurs. Tout le temps, le même foutu coup à tous les coups. Soit l'attaque repos, soit attaquer dans les airs puis esquiver tout le monde. Mais jamais frapper au sol. Jamais faire autre chose que ça. Jouer comme un vrai paresseux puis rire du monde. En se pensant bon. Je vous dis, pour moi, c'est une humiliation, moi, là. Pour moi, là, c'est m'humilier. Pas juste moi, mais aussi les autres qui sont là. C'est vrai, Seigneur, il fait carrément exprès. Crème, tu sais, son 6 points, là. Là, il ne vaut plus rien, là, c'est sûr et certain. Pour moi, il ne vaut plus rien, Crème. Il me fait juste son attaque repos sur moi. Pour me vaincre, il fait juste ça. Puis jouer dans les airs pour m'esquiver. Juste ça, rien que juste ça. Vous verrez, je vous dis, faites attention. Faites extrêmement attention. Si vous voyez ce gars-là, là, restez pas là longtemps parce qu'il va vous humilier en maudit. Alors, je vous préviens tout de suite. Fait que partez le plus vite possible dans ce temps-là. Partez le plus vite possible parce que ce gars-là n'est pas jouable.